Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Donc là, il est 9h02. Vous voyez le linge qui sèche. Voilà, oui, j'ai une vie comme tout le monde. Je fais sécher du linge et le bordel dans le canapé, mais ça, vous commencez à être habitué. Voilà. Donc, on va commencer comme chaque semaine avec... je vais vous raconter mon petit week-end. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai fait des vidéos, principalement. Hier, j'ai tourné la Queen du Canada et je suis très, 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 très fière. Bon, vous l'avez eu mercredi, de toute façon. Ouais. Elle sort mercredi, donc vous l'avez déjà eu. Voilà, en première. Hein, je les mets toujours en première et je cache la miniature la première soirée pour pas que Nymphe voit le rendu avant de voir la vidéo. Voilà, voilà. Sinon, samedi, on a été faire quelques courses. Je vous ai montré le haul Action dans le vlog précédent. Chéri a nettoyé la cage des chichous à fond. Il l'a démonté, on va dire ça comme ça, pour bien tout nettoyer, toutes les étagères et tout ça. Puisque moi, je suis malade, alors j'ai un peu de mal. Dès que je me penche, j'ai la tête qui tourne à mort. Mais ça, c'est à chaque fois que je suis malade. C'est déjà comme ça en règle générale, mais quand je suis malade, c'est encore pire. Voilà, ma mère est passée, donc elle m'a déposé ma veste des Aiguilles. Je vais vous le montrer juste après. Et mon beau-père m'a fait un petit cadeau, une jupe. Je vais vous montrer. Donc je pense que je la mettrai samedi pour l'anniversaire du beau-père. On a l'anniversaire surprise du beau-père, ses 60 ans. Regardez comme elle est belle. Elle est canon. Donc ça vient de la même boutique, genre brocante, là. C'est ma mère qui l'a trouvé. 5 € le prix. 5 €. Voilà. Et c'est une Sao Paulo. Je crois que c'est de la marque, je suis pas sûre. Et c'est une taille 38. Et je l'ai essayé, mais va nickel. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Je vais chercher la veste et je vais vous montrer ça. Voilà, sinon j'attends énormément de commandes qui n'arrivent pas, ça commence à me saouler. J'attends le coffret Flawless La Révolution. Le trio d'highlighter qu'il y a dedans, je le mettrai de côté pour le concours d'été, parce qu'il ne m'intéresse pas plus que ça. J'attends une commande Odden Ice, j'attends une commande Maki Beauty. Maki Beauty, j'ai fait un tour sur les promos, j'aurais peut-être pas dû, hein, mais voilà. Mais là je l'ai fait livrer à la maison. C'est plus cher, du coup j'ai payé 10 € de frais de port. Mais attendez, je vais vous dire, là elle n'a pas bougé encore, c'est chiant. Mon coffret Flawless, tiens, est-ce qu'il a bougé? Non, ça n'a toujours pas bougé. J'ai commandé des colos vertes, donc quand je les recevrai, on testera ça ensemble en vlog. En vlog. En vlog. Non, c'est pas ça que je voulais. Oh, je fais n'importe quoi. Des révolutions là en pot. Amy m'avait fait tester dans le dernier swap les flacons que j'avais adoré. Ça avait fait un soin. Alors, ça donne vraiment, vu que je me teins en noir, ça donne vraiment qu'un tout petit reflet. Ça me suffit. Et du coup, comment? Ça avait fait un soin incroyable. Et là, c'est les pots de chez High Art Revolution. C'est le Deep Sea Green. Il n'y avait que celui-là qui était en promo. Mais j'en ai pris 5 pour 5,95 €. 1,19 € la promo. Donc voilà, si je les aime pas, je testerai. Si je les aime pas, je les remettrai sur Vinted ou peut-être que je vous en mettrai un dans chaque lot du concours ou voilà, je ne sais pas trop. J'ai également commandé, donc là il n'y aura pas de surprise, mais j'ai commandé un rouge à lèvres W7. J'en ai pris 5 en tout, puisque j'en ai pris un pour moi, un pour les filles en goodies dans le swap et un pour mettre en concours. Ils étaient à 10 centimes pièce. Donc ça fait 50 centimes les 5 rouges à lèvres, quoi. Donc je me suis dit, à ce prix-là, autant nous découvrir et vous avoir un produit aussi. Et je me suis repris deux colos Crazy Color. J'ai pris la Emerald Green et la Peacock Blue. La Peacock Blue, je vais la garder pour les fêtes, pour la faire avant mes vidéos de Noël. Donc voilà, j'attends ça. Odden Ice, qu'est-ce que j'ai encore que j'attends? Je ne sais plus, j'ai tellement de commandes en attente là. Je crois que c'est à peu près tout. Attendez, je vais sur mon suivi universel. Normalement, le coffret Flawless, là, j'aurais déjà dû le recevoir. Donc là, je vais attendre quand même que. Ah, et la palette du Tibet aussi que j'attends. Ça, j'ai hâte de la recevoir aussi. Elle est magnifique. Mais ils l'ont postée que hier soir. Donc ça sera
fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Et voilà, donc ça fera des swatch and make-up à gogo encore, hein, mais écoutez, en ce moment, j'ai envie de filmer, j'ai envie d'acheter. Sur... Après, tous les trucs, je vais vous faire le haul une fois que j'aurai tout reçu, c'est que des produits que j'ai commandés pour avoir les frais de port gratuits, quoi. Pour quand j'ai commandé pour le swap et le concours. Donc, il n'y a pas énormément, mais il y a quelques petites choses. Ah oui, il y a une autre commande Révolution encore que j'attends aussi. Donc il y a deux commandes Révolution, la Odden Ice, la Maki Beauty, la Beauty Bay. Cinq commandes. Et il y a une Boozy Shop que j'aimerais bien faire. Pareil avec des promos. Mais là, il faut que j'attende les sous. Et avec la collection café là, de Essence, Manon elle a partagé hier. Essence a sorti une collection sur le café. Enfin, à base de café. Je vous mets sa vidéo en barre d'infos. Si vous aimez la marque Essence, franchement, allez la suivre parce qu'elle a souvent les. Essence lui envoie les. Comment ça s'appelle ? Les visus des collections en avant-première. Donc elle fait une vidéo à chaque fois sur les collections qui vont sortir. Et là, c'est à base de café. Donc forcément. Bon, après, le make-up, moi, ça m'intéresse pas trop. Attendez, je vais sur Boozy Shop. Elle est dispo déjà sur Boozy Shop, hein, si vous voulez aller voir. Prenez pas tout, laissez-moi-en jusqu'à ce que j'ai des sous. Parce que avec les lunettes, j'ai explosé mon budget. Donc faut que je mette un peu de côté. Ah oui, ils ont sorti la collection I Heart Revolution, la Snow White. C'est pas fameux. Donc il y a une palette, ça m'intéresse pas. Un body scrub, ça m'intéresse pas. Un highlighter, alors il est beau parce que c'est des petits grains de café à l'intérieur, mais ça m'intéresse pas non plus. C'est du doré. Il y a le pinceau highlighter par contre que je vais me prendre. Il y a un spray aussi à la caféine. Que je vais me prendre aussi. Il y a une poudre gommante pour le visage. Ça, je vais pas prendre, par contre. Enfin, quoique, peut-être bien quand même. Face scrub. Ouais, peut-être que je le prendrai. Ouais, allez, je vais l'ajouter au panier. De toute façon, je suis plus à ça près. Ah, merde, je me suis pas connecté. Un gommage pour les lèvres en stick. Ça, j'adore. Et un contour des yeux au café. Donc, voilà. Ça, je prendrai. Je prendrai le contour des yeux, le gommage pour les lèvres, le gommage visage, le spray et le pinceau. Le reste, ça m'intéresse pas. Le make-up essence. autant j'aime bien leurs produits teint et leur mascara. Voilà. Mais sinon, je suis pas une acharnée. Les palettes, j'aime pas, par exemple. Vous voyez, les fards à paupières, j'aime pas. Essence, j'aime plus. J'ai aimé pendant au tout début de ma chaîne, mais j'aime plus maintenant. Merde, ça m'a supprimé tout le reste de mon panier maintenant. Bah, coconne, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Bien joué. Bien, ouais, bref. Donc, voilà pour ça. Sinon, ouais, le week-end, c'était calme. On n'a pas fait grand-chose. Je vais aller enfiler la jupe. Comme ça, je vous montre. Et je vous montre la veste des Eagles parce qu'elle est vraiment trop belle. Ensuite, je ferai mon teint. J'attendrai le facteur pour voir s'il m'amène mon coffret Flawless, là. Pour si je tourne cette vidéo-là. Sinon, je tourne une autre. J'ai deux vidéos à tourner. Aujourd'hui, il faut que je rattrape mon avance. Je suis à la bourre. Alors, je me mets une surcharge de boulot avec une vidéo par jour. Je suis complètement tarée. Bon, après, s'il y en a qui n'y a pas sur la journée, sur la semaine, vous m'excuserez. Hein, mais comme je suis en plus malade, faut que je prenne des rhinofébriles. Là, je mets des gouttes dans le nez parce que j'en ai marre d'avoir le nez qui fait robinet. Mais. Bref. Donc, je vais enfiler la jupe. Je vous montre ça et la veste. Donc je vous ai surélevé un peu, du coup je vais me pencher puisque je suis debout. Je viens d'avoir le mail de chez Bipost pour dire qu'il m'a amené mon coffret Révolution tout à l'heure. Donc c'est la vidéo qui sortira pour moi ce soir. Vous l'avez déjà eu du coup lundi. Et voilà, donc j'ai enfilé la jupe, je vous montre ça tout de suite. Alors je vais être loin, vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Peut-être dézoomer. Attendez, c'est de. Vous allez bien voir. Il faut vraiment que je me décide à ranger mes cartons là. Hein, parce que je reçois trop de commandes. Donc voilà la jupe, elle est canon, 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 j'adore, elle a pile la bonne longueur, elle n'est pas trop courte, pas trop longue, ici c'est matière peau de pêche comme ça, et sur le côté c'est ben, les inscriptions, je ne sais pas si vous allez bien voir, je sais pas trop ce qui est écrit, c'est classe, je trouve ça super classe, voilà, donc je pense que je la mettrai... samedi pour l'anniversaire de mon beau-père. Avec des petites bottines et des collants. Voilà.
Parce que j'aime pas trop montrer mes jambes, j'ai des jambes affreuses. Je suis avec mes chaussettes pilou-pilou, ça donne un style. Voilà, et pour ma veste, regardez comme elle est belle. Donc la jupe, mon beau-père, il me l'a offert et elle coûtait 5 euros. La veste, ma mère a payé la moitié et elle coûtait 45 euros. Des iguales. Et vous allez voir, elle est nickel. Donc j'ai complètement craqué dessus. En fait, j'avais une veste que j'avais achetée chez Bonprix, beige, avec un espèce des arabesques comme ça dessus en velours. Mais comme avec ma paire de poids, c'était une taille 50, je crois. Donc voilà, je l'avais donnée à ma mère et j'avais dit que je rachèterais la même plus tard. Mais du coup, pour le même prix, j'ai eu la Desigual. Et je vous montre la capuche, vous voyez, il y a toutes des arabesques en velours par-dessus. La capuche, elle est rouge à l'intérieur avec du moumoute. Vous avez un double col, donc ici avec les arabesques et à l'intérieur rouge et moumouteux. L'intérieur est rouge, donc ici c'est marqué We Love ici en dessous. Il y a les poches, la ceinture est dans le dos. Donc on voit que quand on met la capuche que c'est une Desigual. Voilà, mais Desigual ou pas, je m'en fous. C'était vraiment le modèle de la veste qui me plaisait. Et ben, comme disait ma mère, elle te va tellement bien que ça aurait été con de passer à côté. Voilà, elle est bien lourde. Puis, je suis totalement fan. Je l'adore. Et vu le temps qu'il fait, ben je vous garantis que c'est pas du luxe de l'avoir déjà. Alors la ceinture est un peu large. Il faudrait que je vois si j'arrive à la resserrer un tout petit peu. Ça serait bien. Mais voilà, c'est très beau. J'adore. J'adore, j'adore. Alors normalement, moi j'aime beaucoup les vestes. La veste, quoi. Vous voyez, vraiment courte. Elle aurait été plus courte, ça m'aurait plu aussi. Vous voyez cette hauteur-là. J'adore cette hauteur-là de veste. Mais bon, écoutez, hein, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Là, au moins, j'aurai pas froid cet hiver, ni cet automne. J'adore. Et l'intérieur, la capuche, j'adore. J'adore tout. Et le col, oh, c'est doux, c'est chaud. Oh, j'ai envie de la garder sur moi tellement je l'aime. Voilà. J'adore. Je suis bien contente. Et je vais pouvoir la mettre. Donc, ben voilà, écoutez, moi je vais déjà vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais recevoir le coffret Flawless normalement dans une petite heure. Donc je vais faire mon teint tranquille, j'irai filmer ça. Je vous mettrai de côté l'highlighter, comme je vous ai dit, moi ça ne m'intéresse pas, un trio d'highlighter pour cet été, pour le concours des 10 ans de la chaîne. Que je suis en été, alors que normalement c'est en septembre les 10 ans, mais voilà, je le fais toujours comme il y a le concours de Noël et l'autre, je le fais en été pour. Fin juillet, début août. Voilà, pour comme ça fait tous les 6 mois un concours. Là, je vais aller regarder les swatchs de la nouvelle palette de Martine. Je ne suis pas une accro, je ne suis même pas abonnée. Hein. Mais il y a des fards qui ont l'air sublimes dedans. Bien que le packaging soit très Jeff Lostar. Je vais voir. Je vais voir parce qu'elle n'est quand même pas donnée. Nymph vient de me dire qu'elle est à 55 euros, je crois. Donc, je vais voir. Si, franchement, si elle me plaît vraiment bien, je pense que ça serait l'occasion de tester la marque. Et on verra. Par contre, j'ai pris une grande décision. Je vais peut-être me rasseoir. Attendez, je pose ma veste. Hop là. Bon, du coup, vous êtes un peu plus haut que d'habitude, mais je crois que c'est pas mal comme ça. On va faire un déclutteur ensemble cette semaine. Comme ça, je mettrai tout en vente, soit le dimanche soir, soit la semaine qui suit ce vlog. On va faire un décloteur ensemble parce que bon, il faut que je récupère un peu les sous que j'ai dépensé de mes lunettes, hein, voilà. Alors, c'est pas que je dois les payer moi-même mes lunettes, hein, mais c'est que pour pas avoir de problème à la fin du mois, je vais essayer de remettre des sous sur le compte et que je récupérerai le mois d'après pour mon budget. Et du coup, là, j'ai les deux dernières Flawless Halloween, vous avez vu à quel point j'ai été déçue. Donc, je vais faire un tri dans mes Flawless. J'ai décidé d'arrêter la collection des Flawless et de passer à la collection Beauty Bay. Oui, voilà, il me faut une collection. C'est la collectionnite aiguë. Mais Beauty Bay en sort vachement moins. Et le format comme la Book of Magic et la Wilderness et tout ça. Et la dernière que je viens de commander, que j'ai tellement hâte de recevoir.
Et pour pas beaucoup plus cher, les 5 euros de frais de port, en fait, en plus, la qualité est quand même meilleure. Et ça se dégrade moins au fil du temps, question qualité. Puisque là, franchement, Révolution avait fait un bond avec les flawless en améliorant la qualité des fards, le contenu des palettes et tout. Et là, c'est comme ça maintenant. Ils misent tout sur le packaging et plus rien sur l'intérieur. Ça fait plusieurs fois que je vous dis, on a l'impression qu'ils mettent les teintes plic-ploc, qu'ils en mettent deux qui ont un rapport avec la palette. On va voir si ça se confirme encore avec celle de ce soir. Mais voilà. Et je pense que je vais trier mes flawless aussi. Je vais vraiment garder celles qui me plaisent le plus. Parce qu'il y en a que je peux pas me séparer. Hein. La Child, la Enchanted, les Friends, par exemple, je les aime beaucoup. La Namasté, jamais je peux me débarrasser de la Namasté. Voilà, même que ça reste du New, de la Affinity, par exemple. C'est vraiment des que j'aime beaucoup. La Bird of Paradise fait partie de mes préférés aussi. Enfin bref, il y en a que je pourrais pas me séparer. Parce que c'était encore à l'époque de la bonne qualité. Maintenant, c'est plus vraiment ça. Voilà. Donc, on passera à la collection des Beauty Bay. Voilà. Tout simplement. Puisqu'elles sont à 17 euros, alors que les autres sont à 12 euros. Donc, 5 euros d'écart pour avoir une qualité supérieure. Beauty Bay avait déjà une qualité supérieure à Révolution. Je parle que pour les flawless. Hein. Les autres palettes, je ne suis pas fan de chez Révolution. Mais moi, je parle par rapport aux flawless parce que c'est quasi les seules palettes que j'achète chez eux. Hormis les collabs avec Tamie, par exemple, ou Illuminati, ou des choses comme ça, que là, quand c'est des collabs, la qualité, elle est dingue. On voit que c'est plus travaillé avec la personne qui est derrière le concept. Là, les flawless, ils misent vraiment tout sur le packaging, et ils tapent des petites teintes un peu plic-ploc en disant, allez hop, de toute façon, ça va se vendre parce que le packaging est beau. Donc, et ça marchait hein, jusqu'à maintenant. Hein, la preuve, c'est que j'ai encore acheté la flawless, celle en coffret, là. Voilà, ça marchait jusqu'à maintenant. Là, je me suis dit non. Je préfère de toute façon la qualité Beauty Bay. C'est vraiment la marque coup de cœur que j'ai découvert cette année en petit prix. C'est vraiment the marque que je préfère. Qualité de fard que je préfère. Pour moi, ils sont similaires au Be Perfect en un peu moins cher parce que, bon, Be Perfect, vu que. Enfin, moi, je parle que des celles avec, en collab avec Stacy Mary parce que j'en ai pas d'autres. C'est vraiment. Une qualité de fard exceptionnelle, on est d'accord, mais je trouve que Beauty Bay, ben, ils sont très 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 proches de la même qualité, voire identiques. Donc voilà, bref. Donc voilà, on fera un déclutteur dans la semaine, je sais pas quand, il faut que je me motive, il faut que je réfléchisse à quel flawless je garde et tout ça. Je vais mettre aussi des produits que Maryse m'a envoyés, que j'ai en double, ou qui ne m'intéressent pas, ou que j'ai essayé, que j'ai pas aimé, ou des choses comme ça. Et voilà. Bon, sur ce, je vais remettre mon bas de pyjama pour aller filmer ma vidéo avec les jambes au chaud, parce que là, avec la jupette, je vais avoir froid. Je vais aller la ranger. Et de toute façon, bah, on suit le jour. Alors, ah merde, il y a un carton. J'ai rangé les autres, mais il y en a un qui traîne. Il est 8h05, je vous prends tôt parce que j'ai froid. Et avant d'allumer le poêle, voilà, je vous prends maintenant, comme ça vous n'avez pas le bruit de fond du poêle, hein, parce que c'est assez chiant. Mais bon, il faudra faire avec, surtout dans les vlogs, parce que voilà, je vais pas me les geler en hiver pour vous épargner le bruit du poêle, quoi. Voilà. Donc, hier, panne. Enfin, je suppose que vous l'avez remarqué, mais bug général sur tous les réseaux Facebook, donc Messenger, Instagram. Je me sentais seule dans mes copines, c'était affreux. Du coup, on a pensé que le soir. À s'envoyer quelques SMS, puis après on est passé sur Twitter. Du coup, j'ai rigolé avec les tweets à propos du bug Facebook, là. J'ai bien rigolé. Ça faisait plus d'un an que j'avais pas ouvert Twitter. Voilà, tout simplement. Twitter, je m'en servais que pour... quand je regarde les trucs, genre Danse avec les stars et tout ça, mais comme cette année, je regarde pas, parce que il n'y a plus de stars. Donc là, je vous prends, avant d'allumer le chauffage, je vais faire mon teint pour aller filmer. J'ai deux vidéos à tourner aujourd'hui. Je reçois ma commande aussi, Maki Beauty, vous savez, avec le rouge à lèvres où je me suis ruinée, là. Donc demain, je pense qu'on fera la colo. Comme ça, on verra tout de suite ce que ça donne. De toute façon, j'en ai bien besoin.
Mais je commence de nouveau à avoir des repousses de cheveux blancs. Là, je pense que tout à l'heure, je vais vous prendre pour faire le déclutteur. Mais je pense que ça sera au soir après la sieste. Enfin, fin d'après-midi, quoi. Je sais pas, je vais voir. Là, j'ai déjà quelques trucs à mettre en vente, des trucs d'école qu'on a retrouvés, que genre j'utilise plus, des produits pour les ongles que j'ai triés. Donc, je pense que je vais faire ça aussi aujourd'hui ou demain, parce qu'il me faut des sous. J'ai regardé les swatchs de la palette Martine, donc elle me plaît bien. Maintenant, je crois que je vais la mettre en wishlist pour Noël, puisque je vous fais toujours une wishlist Noël, puisque ça aide ma famille et mes amis à savoir quoi m'offrir pour Noël et mon anniversaire qui est début février, enfin mi-février, le 11. Donc voilà, et je pense que je vais la mettre en wishlist. Enfin, vous verrez quand je ferai la vidéo. Demain pour vous, enfin demain pour moi, il y a la Queen of the World, donc ça sera en première, j'ai trop hâte. Aujourd'hui, c'est juste un swatch and make-up, jeudi aussi. Vendredi, c'est ma collection d'highlighters. J'attends la palette Beauty Bay pour, pareil, vous faire la vidéo directe. Et voilà, mais bon, je pense que je l'aurai que fin de semaine ou début de cette semaine, de la semaine d'après. J'attends mes lunettes. Sur le pont de commande, c'est marqué le 15, mais le gars m'avait dit de compter une semaine. Donc j'espère les avoir vendredi ou samedi, peut-être plus tôt, on ne sait jamais. Hein. Là, sur le suivi, c'est marqué que mes verres sont en train d'être polis depuis que j'ai passé la commande. Donc voilà. Sinon, ah oui, sur mon téléphone, je vais essayer de vous filmer l'écran. En fait, j'ai découvert l'application Star Stable. Donc voilà, vous savez à quel point j'adore ce jeu maintenant. Hein, j'ai pris l'abonnement à vie. Et alors, je vais essayer de filmer mon écran en même temps que j'enregistre le son. Je ne sais pas si ça va être possible. Attendez, il faut que j'aille dans l'autre sens. Hop, 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 on recommence. Je vais essayer d'enregistrer mon écran en même temps que j'enregistre le son. Donc vous allez m'entendre un peu différemment. Donc en fait, vous pouvez élever des chevaux, enfin des poulains. Moi, ils ont déjà grandi. J'ai pas pensé à vous le montrer avant qu'ils grandissent. Vous pouvez élever des chevaux et une fois qu'ils sont niveau 10, vous pouvez les passer dans votre jeu pour vous en servir. Donc ça, c'est génial parce qu'au lieu d'acheter avec des Star Coins, bah du coup, j'ai mes chevaux gratuits. Vous pouvez en élever deux. Ah ben voilà, vous avez les deux ici réunis. Voilà, j'ai pris celui-ci. Je crois qu'on sait avoir l'info ici. Voilà, c'est un Suédois du Nord avec des trucs bleus. Des petits détails bleus, vous allez les voir mieux après. Et celui-ci, c'est un Lambermane. Je ne connais pas du tout, mais voilà, il me plaît bien. Ensuite, vous avez des petites quêtes ici au-dessus, donc il faut les nourrir. Tout simplement. Mais là, ils ont déjà grandi, c'est déjà plus des poulains. C'était mignon quand ils étaient en poulain. Et voilà. Et une fois qu'ils sont niveau 10, vous pouvez les envoyer dans votre jeu. Donc, vous pouvez acheter pour des cases dans l'écurie si vous voulez pour augmenter les chevaux. Moi, ça m'intéresse pas. C'est 3 euros, hein, c'est pas hyper cher, mais en les élevant deux par deux, je trouve que c'est largement suffisant. Donc là, je fais juste un ou deux trucs comme ça, je vous montre. Et puis, moi, je fais ça le soir quand je m'occupe des chichous le soir, quand ils sont dans le parc. Donc, ils gagnent à peu près 2 niveaux par jour. Donc, il faut compter 5 jours pour pouvoir les envoyer. Sauf que moi, j'ai oublié d'y aller pendant 2 jours dessus. Voilà, j'ai ici, je l'ai appelé Luna Blue et ici Shadow Wings. Et vous voyez, vous pouvez déverrouiller des cases supplémentaires, mais c'est payant. Donc, 2 chevaux par 2 chevaux, c'est assez. Après, il faut encore les EP en jeu et tout. Donc, là, je vais vous montrer Shadow. On va lui faire quoi? On va lui donner des caresses. Ah, poubelle. Donc, voilà, là, il est plus. Ça fait un peu Ange et démon, je trouve, les 2 chevaux-là. Donc, après, j'élèverai toutes les races qu'il y a, mais. Voilà, petit à petit, quoi. J'ai pas besoin de 15 000 chevaux dans mon jeu. Donc là, je lui caresse la tête, c'est assez long. Hein. Voilà, vous faites les petites quêtes, ils montent de niveau et après, ça se réactualise à minuit. Donc c'est une fois par jour. Moi, tu veux bien être content avec tes caresses, là, que je puisse arrêter? Ça s'actualise une fois par jour à minuit, donc vous pouvez vous en occuper une fois par jour, quoi. Donc quand tu en as deux, ça prend déjà un peu de temps. Et pourquoi il veut pas.
Il n'est pas content avec les caresses. Ah, ça y est. Ok. Parce que vous pouvez faire deux fois les quêtes, en fait. À chaque fois qu'il monte de nouveau d'un niveau, vous avez de nouveau une quête. Je vais vous montrer celui-ci de plus près. On va faire quoi? Ça, tiens. Donc là, vous lui apprenez à marcher avec la longe, tout simplement. Voilà, c'est des petites conneries, hein, mais au moins, ça fait des chevaux gratuits dans le jeu. Il n'y a pas besoin de les acheter avec des star coins. Je trouve ça bien. C'est bien qu'il fasse une appli comme ça, en lien avec le jeu, qui sert vraiment pour intégrer le jeu, quoi. Voilà. Donc voilà, je vais garder le reste de mes quêtes pour... Bon, j'espère que ça n'a pas fait bugger mon enregistrement de son. Donc oui, je suis toujours malade. J'ai mal à la gorge, je tousse. J'ai le nez qui coule comme un robinet encore. Voilà, c'était le petit truc que je voulais vous montrer si jamais vous avez commencé à jouer. Donc là, je vais aller faire ma vidéo, enfin mes deux vidéos, le swatch et make-up. Alors, je vais utiliser la brune caramel que vous aurez lundi de Huda Beauty parce que j'en vis. Voilà, tout simplement. Normalement, ça devait être la Los Angeles. Mais comme j'ai toutes les palettes colorées à la suite, je me suis dit autant faire une nude un peu. Et celle-là m'intrigue beaucoup. Elle me plaît beaucoup, les teintes me plaisent beaucoup. Au swatch, ça m'a beaucoup plu. Et ma collection d'highlighter que vous avez eue vendredi. Voilà, après je pense faire continuer la collection. Je ferai avec les produits teints. Comme ça, je vous montre tout mon backup parce que je sais que ça vous intrigue beaucoup, mon backup. Qui diminue hein, petit à petit puisque... Voilà, je recommanderai une grosse dose de backup une fois que j'aurai terminé certains produits. Il y a un nouveau fond de teint essence là, qui me botterait bien à tester. Donc, je vais voir si je l'achèterai pas ou pas. Enfin, pour l'instant, je limite les achats. Puisque j'ai acheté les lunettes et je vous ai dit, c'est un plus gros budget que prévu pour ce mois-ci. Donc, pour pas se foutre dans la merde non plus, hein, on va pas bouffer des pâtes au beurre tout le reste du mois, hein, on est que le 5, donc voilà. Bref, samedi, on a l'anniversaire surprise de mon beau-père, c'est 60 ans, donc je serai pas là pour la publication de la vidéo, enfin j'aurais pas été là pour la publication de la vidéo, mais ça vous empêche pas de la regarder. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense qu'on peut déjà switcher de jour. Si j'ai les fois, je vous reprends tout à l'heure pour le déclutter. Sinon, on fera ça demain. Enfin, demain, on fera la colo, vu que j'aurai reçu. Ou peut-être tout à l'heure et faire le déclutter demain. Je ne sais pas suivant comment je serai motivé tout à l'heure ou demain. On verra bien. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, on switch soit de moment, soit de jour. Alors, il est 10h12. Je vous prends dans le bureau parce que je viens de finir de tourner cette vidéo. Voilà, comme vous aurez la semaine prochaine, je ne sais pas quand exactement. Bonjour les loups. Donc là, ce que je vais faire, je vais redescendre, me boire un café, tout simplement, dérusher. Je vais attendre le facteur. Une fois que le facteur est passé, je vais mettre ma colo. Alors, parlons de colo. Vous savez, la colo verte que j'ai commandée sur Maki Beauty en promo, que j'étais toute contente de me faire un stock, c'est pas une colo. Ah, c'est de la cire coiffante verte. Donc, ça teinte les cheveux, mais ça part au premier lavage que vous faites. Quoi. Voilà, vous lavez les cheveux le soir, ça part direct. Donc, j'avais pris 5 pots quand même, hein, parce que je pensais que c'était des colos. La fille qui sait pas lire avant de commander, hein, je vois promo, boum, je fonce. Donc, du coup, je vous en ai mis un dans les lots du concours de Noël, dans chaque clos. Je vais en garder un pour moi, j'en ai mis un de côté pour le lot dans 6 mois, enfin pour les 10 ans de la chaîne. Ça fera toujours un lot en plus, et comme c'est pas toujours les mêmes gagnantes, c'est pas très grave s'il y a les mêmes produits que dans le lot précédent. Et je vais en revendre un sur Vintage, je vois pas comment faire d'autre. Donc voilà pour ça, donc là je vais refaire ma colo. Heureusement que j'ai commandé deux Crazy Color en plus. Je vais faire ma colo basique, donc je vais faire les mèches, enfin les racines en noir, et je vais faire la Crazy Color que j'avais fait la dernière fois dans mes longueurs. Et tant que ma colo posera, je vous reprends dans le bureau pour faire le déclutter. On va décluter un peu tout ça, comme ça je mettrai en vente, ben, quand vous aurez vu le vlog, hein, soit dimanche soir, soit dans la semaine. Sur mon Vinted, de toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. Et voilà.
En attendant, ce matin, je me suis dépêchée de payer mes deux dadas sur mon application dont je vous parlais hier, puisqu'il leur manquait un niveau pour passer sur mon jeu. Et la grosse dope, c'est qu'on doit quand même les payer en StarCoin. Donc ça sert à rien l'appli, puisque c'est le même montant en plus, on les paye même pas moins cher. Donc je vois pas l'intérêt, les chevaux, c'est les acheter dans le jeu directement. Donc, voilà, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, j'ai transféré le moins cher des deux, qui est le bleu, parce que c'est celui que je voulais. Je me suis dit, bon, de toute façon, quitte à le payer, l'autre, je le transférerai quand j'aurai assez de StarCoin, parce que c'est quand même pas donné, 950 StarCoin, ça fait beaucoup, quoi. Donc voilà, c'est la grosse dope. C'est de l'arnaque. Moi, je pensais franchement qu'on allait les élever et les transférer dans le jeu gratuitement. Je vois pas pourquoi les... Ou au moins les payer des moitiés prix en StarCoin, mais non, c'est le même prix que sur le jeu. Donc, voilà. Donc, ça sert à rien que je perde du temps à caresser un cheval virtuel juste pour devoir le payer après, quoi. En gros. Après, je vais voir, il aura peut-être déjà des niveaux, mais les niveaux, ça se gagne super vite en faisant les courses. Donc, c'est débile. Tout simplement. Donc, l'application ne sert à rien. Voilà. Bah, ok. Bah écoutez, moi je vais aller boire mon petit café, attendre mon petit facteur, voir s'il me dépose un colis ou pas, et je vous reprends pour faire le décloteur, je vous reprends ici dans le bureau. Je vais vous filmer avec l'appareil et enregistrer le son avec le téléphone, j'espère que vous entendrez tout bien. Et voilà, et quand je vois toutes les palettes qu'il me reste encore à faire les swatches et le make-up, là je me dis qu'on va se voir beaucoup, hein, vraiment beaucoup. J'attends ma palette Beauty Bay aussi, qui le suivi ne bouge pas, c'est étonnant, parce que normalement, en toute logique, je devrais l'avoir demain, parce que celle-là, j'aimerais bien vous la tourner pour la publier tout de suite, hein, puisque c'est une nouveauté, donc ça, j'essaie toujours de vous les poster tout de suite avant qu'il y ait des ruptures de stock. La nouvelle qui va sortir, la Jade, là, ne m'intéresse pas, c'est beaucoup des teintes assez similaires sur ce qu'on a déjà. Et je veux vraiment collectionner le petit format des Beauty Bay ou voir les collabs comme là, j'ai la Nikki Tutorials. La Io Coralie, elle était jolie, mais je ne l'ai pas prise parce que les teintes, pareil, c'était pas incroyable. Voilà. Je trouvais que 12 fards et 2 highlighters, ça faisait peu. Bref. Bon, j'allais prendre mon cachet aussi, mon rhino fébrile, parce que je reparle comme un canard et ça m'énerve. Allez, je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai la colo qui pose. Voilà. Bon, il est midi 9, finalement j'ai changé d'avis, je ferai ma colo après la sieste. Là, je dois attendre que Georges rentre pour pouvoir aller dormir, donc on va faire le décloteur en attendant que Georges rentre. Voilà. Donc vous n'allez absolument rien voir comment ce que je viens de vous poser. Je vais essayer de vous poser autrement, sans écraser mon téléphone, ça serait bien. Alors, on va commencer. Donc là, c'est toutes les palettes, soit une make-up que je dois encore faire, que Maryse m'a envoyé. Ici, on a des produits que je dois tester dans le crash test. Ici, c'est les produits de mon haul, enfin une partie, dont c'est de là que je ne vais pas virer tout de suite, mais je verrai plus tard. Bref, on va passer au tiroir. Alors, avec le premier, vous ne voyez rien. J'essaie de vous baisser comme je peux. Hein. Alors... Mais il n'y a pas grand-chose que je vais virer ici. Si c'est les jumbos comme ça. Donc celui-là, c'est un pour les lèvres. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il fout là. Celui-là, il faut que j'aille le ranger. Je vais mettre les trois. C'était Manon qui me les avait envoyés dans le swap. Des jumbos comme ça. Yeux et lèvres, je crois. Lip crayon. Donc c'est pour les lèvres. De chez Primark. Voilà. Je ne les ai jamais utilisés. Donc je ne vais pas garder. Je vais mettre tout dans une boîte. La boîte sera certainement pas assez longue. Ça, je m'en sers pas, mais bon, on va les laisser là. Ici, c'est des rouges à lèvres dans une teinte un peu plus spéciale, donc je garde. Les trois catrices ici, je vais enlever aussi parce que des nudes, j'en ai une flopée et voilà. Bon, je vais peut-être pas mettre celui-là parce que celui-là, je l'ai beaucoup utilisé, il me semble. Je sais pas, si je vais enlever les trois et je verrai bien, je vais les remettre dans l'autre sens pour qu'ils se remettent correctement. Voilà. Donc voilà, tout ça, ceux-là je garde parce que c'est mes préférés de chez Catrice. Et ceux-là je garde aussi. Voilà pour ça. Ici j'enlève rien non plus, c'est les gloss que j'utilise, même si j'en utilise rarement. Et mes glitter flip et compagnie. Voilà. D'ailleurs, celui-là, je vais plutôt le mettre ici. Voilà pour ça. Alors, ici, en dessous, ce sont les paillettes. Là, j'enlève rien. Vous ne voyez pas bien, de toute façon.
Alors, pour le teint, vous voyez rien. Oh, vous voyez rien. Je peux pas vous baisser plus. Donc, voilà, on fera comme ça. Je vais enlever les deux highlighters là que je vous en ai parlé dans ma collection d'highlighters, le BK et le Mini, puisque je ne les utilise plus. Voilà, les highlighters là, je garde. En bronzer, je garde tout, le Nars, le Kiko, le Focalure et Catrice, le Nabla, le Tom Ford que j'adore. Là, c'est des blushs Kiko que Maryse m'a envoyé, que je garde aussi. Le Chanel, je ne l'ai pas encore testé. Les Patrista, là, j'adore. Colourpop, je garde, je garde. Je vais enlever le Slick. Voilà, pareil, ça venait du... C'est le dupe du Orgasm de chez Nars. Mais j'en ai un similaire. Celui-là, je garde. Celui-là, je garde, je garde, je garde. Ça fait partie de mes préférés. Celui-là, je garde. Le Tom Ford, je garde. Ça, je garde, ça, je garde. Ouais, les autres, je garde. Les autres produits teints, je garde. Ok. Et en dessous, c'est les paillettes et les fossiles et tout ça. Je garde. Et mon backup, je garde. Ok pour ça. On a déjà fait une partie. Je vous remonte. Si j'y arrive, sans vous faire tomber. Alors, on va passer à l'étagère là. Là, il va y avoir un peu plus de tri. Bon, du coup, je vais enlever le jumbo mat ici de chez Catrice. Hein. Je l'ai utilisé 2-3 fois, mais pareil, je n'utilise plus. Vous voyez pas ce que je fais du tout, du tout, du tout. On fait les choses correctement un peu. Voilà. J'avais préparé ça aussi. Alors, celui-là, je l'ai testé une fois. Vous avez vu que moi, j'ai pas du tout. Il tient pas du tout sur moi. J'adore la teinte, mais il tient pas sur moi. Donc, je le vire. Ce nude-là, donc, je l'ai eu dans le coffret Révolution qu'on a testé il y a pas longtemps avec le Lip Topper. Le Lip Topper, j'aime pas du tout. Le rouge à lèvres, j'ai bien aimé. Mais du coup, il ressemble vachement au Charlotte Tilbury que j'ai mis aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais garder le Charlotte Tilbury, bien évidemment. Donc, du coup, bah, ça, je vous ferai le lot, hein, vu que ça va ensemble. Je vous ferai le lot sur Vinted. Alors, ici, ça, j'ai pas encore tout testé. Ça, je garde. Là. Ah, celui-là, je l'ai enlevé. Le DNSA. C'est celui-là hein, qui ressemble au... Ouais. Parce que c'est le même que le Anastasia. Et comme je préfère le Anastasia, je vais garder le Anastasia et mettre celui-là en vente. Voilà. Ceux-là, je garde. Les liners pailletés, je garde. Ici, tout ça, je ne touche pas. Ça, je ne touche pas, je ne touche pas, je ne touche pas. Voilà, tout simplement. Ça non plus. Ah si, les deux petits jumbo essence. Je vais les enlever. Je n'utilise absolument pas. C'était dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. Voilà, je ferai pareil, un lot. Crayon à lèvres, on n'y touche pas. Alors, là, on va passer au rouge à lèvres, ce qui va être le plus compliqué. Le Fenty, je garde. Les deux Pat McGuass, je garde. Le Marc Jacobs, je garde, j'en ai qu'un. Et le Charlotte Tilbury, en collection limitée, je garde. Voilà, tout simplement. Le Fenty, je n'ai pas encore testé. Ici, je garde tout. Alors, c'est celui-ci que j'hésite. C'est la teinte Penelope Pink, toujours de chez Charlotte Tilbury. Mais je trouve qu'il est très ressemblant au Pillow Talk qui est à l'autre. Hein. Ils sont pas le Pillow Talk qui est un peu plus rose. Forcément, ce n'est pas les mêmes, mais c'est quand même assez ressemblant. Quoi. Mais je ne l'ai pas encore testé. Je vais peut-être le tester d'abord, avant de le revendre. Les Natasha Denona, je vais les garder. De toute façon, je les aime bien. Et pour l'instant, je ne les ai pas tous utilisés. Donc, comme ça, je verrai ce qu'ils donnent. Voilà. Ça, c'est le petit Huda Beauty que j'ai beaucoup aimé. Le Fenty, je n'ai pas encore utilisé. Le Too Faced, je ne l'ai pas encore testé non plus. Ah, celui-là, je vais enlever. Maintenant, je suis désolée, mais...
il tient absolument pas sur mes lèvres. C'est le kaki de Balmain. Enfin, L'Oréal X Balmain. Il est magnifique. Hein. J'adore la teinte, mais je le mets et au bout de 5 minutes, j'ai plus rien. Donc, je vais l'enlever. Ça sert à rien de le garder. Et j'ai les verres de Jeffree Star. Donc, voilà. Le By Thierry, tiens, je l'ai pas encore testé. Je vais le mettre ici pour y penser. Dès qu'il ressemble beaucoup au Fenty, j'ai l'impression. Mais bon, je testerai pour voir la qualité. Et je suis tombée en amour des Melted de Too Faced. Incroyable. Comme je suis tombée en amour de ces choses-là. Voilà pour ça. Alors, on va pouvoir passer aux palettes. Et là, ça va être compliqué. Ouh, les gens, j'ai pas envie. Alors, on va commencer par la rangée du dessus. Celle-ci, c'est d'office, je garde. La Natasha Denona, je garde. Les Ananas X Sephora, là, celle-là, je garde. Celle-là, je garde. Celle-ci, je garde. La Mini Breaker et les Color Pop, je garde. La Harley Quinn aussi. La Huda, que j'ai déjà testée, je garde. J'adore. Par contre, les petits coffres, les petits quads comme ça, Charlotte Tilbury, ça, je ne vais absolument pas utiliser. Mais je vais quand même garder le sur une édition limitée parce qu'il y a une teinte dedans. Il faut que je l'essaie trop. Faut trop que je l'essaie. Là, j'adore. Elle est trop belle. Donc sur un petit smoky, ça peut être sympa. Donc je vais la garder juste histoire de dire que j'en ai gardé une. Mais les deux autres, je vais les mettre en vente. C'est la Vintage Pump. J'adore le nom. Voilà. Vous voyez, ça c'est pas du tout mon genre de teinte. Et l'autre, c'est la Rebelle, The Rebelle. Quoi qu'il y ait un beau kaki dedans, mais bon. Garder juste pour le kaki, c'est un peu con. Donc voilà. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'histoire, Maryse m'a envoyé plein de produits. Mais c'est pour que je teste et que je revende aussi pour me faire des sous. Alors on va passer à l'étage du bas, parce que les Flawless, ça va être plus compliqué. Donc celle-ci, c'est tous des cadeaux, je garde. Celle-ci, je la garde, je l'adore. Celle-ci, pareil, je ne l'ai pas utilisée, mais je connais la qualité des fards du Tibet et c'est du nude, donc ça ne m'intéresse pas. Je vais la mettre en vente. Les trois là, je garde. Enfin, tout ça, je garde de toute façon. C'est tout. Ah non, celle-ci, je vire. Oh là là, mon Dieu, celle-ci, je la vire. C'est la Sample Beauty Blooming Lovely. Donc, j'ai utilisé qu'une fois avec vous en photo, en vidéo. Elle est encore dans sa boîte, d'ailleurs. Mais voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé cette palette, donc je la garde pas. Ça sert à rien de garder pour garder. Alors, on va passer au Flawless. Pour l'instant, les deux là, je garde d'Halloween que je vous ai montré juste avant. Je vais virer les quatre premières, puisque comme j'ai maintenant la Riviera, j'avais pris celle-ci pour avoir le dupe de la Riviera. Bien qu'il y a des teintes que j'adore dedans mais que je retrouve maintenant dans d'autres vu que je les avais toutes, donc les quatre premières je vais enlever. La Ice je garde parce que c'est une dans les tombeaux et j'ai pas beaucoup. La Fire je vais l'enlever aussi, je l'ai utilisé qu'une fois je crois, ou deux. Ces deux là, ça c'est sûr je garde parce que c'est mes préférés pour l'instant. Alors ici on a la Utopia. Celle-là, je l'aime beaucoup. Donc, celle-là, je vais la garder pour l'instant. On verra si je m'en resserre ou pas. La Showstopper. Pareil, celle-ci, je vais quand même la garder. Hein. Je ne vais pas toutes les enlever d'un coup. La Flamingo. Je vais l'enlever. Alors, il y a un problème de boîte. Elle ne se tient plus vraiment. Je vais l'enlever. Je l'ai utilisée qu'une fois aussi. Alors, ici, c'est la Allure, que j'aime beaucoup. C'est du nude, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Pareil pour la Affinity, qui est juste derrière. C'est bien ça, c'est bien ça. Voilà. C'est du nude, hein, mais pourtant, je l'aime énormément. Alors, ensuite, on passe à la Midnight Allure. Alors, celle-là, je la vire tout de suite. C'est celle que j'ai achetée dans le coffret, donc j'ai vraiment acheté le coffret pour rien, mais j'ai pas du tout aimé. La Butterfly, pour l'instant, je vais la garder aussi. Les deux d'Halloween de l'année dernière. Alors, la Enchanted, c'est sûr que je garde. Elle fait partie de mes préférées des Flawless. Et celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Donc, celle de l'année dernière, je garde. Et je garde aussi celle de cette année pour l'instant. La Batman. Je l'ai utilisée qu'une fois. Mais
J'ai pas été emporté non plus. Je vais la garder encore un peu. On verra lors du prochain décloteur si je l'utilise pas. Alors, les deux Fluence, ça, je garde. Je les adore. Franchement, aussi bien l'une que l'autre, je les adore. Il y a celle-ci, la colorée et la nude, qui fait aussi partie de mes nudes préférées. C'est pour ça que je ne vous conseille pas celle de cette année dans les teintes nude. La Namasté et la Cannabis Sativa, qui sont mes deux préférées. Avec la Rochantide, c'est mes trois préférées. Voilà. Donc, celle-là, d'office, je garde. Et la Turtle et la Dolphin, je pense que je vais virer. Parce que là, on est déjà rentré dans un univers où ça n'a plus rien à voir avec le thème. Je ne pense pas que je les réutiliserai. J'aime bien, hein, mais bon. Donc, je vais les enlever. Voilà. Et ça fait de la place, du coup, pour des nouvelles palettes. Et comme je vous ai dit, maintenant, je vais commencer la collection des Beauty Bay dans ce format-là. Pas toutes les palettes Beauty Bay, hein, mais dans ce format-là ou les collabs. Et voilà. Par contre, je vais virer la By Mitchell. Je vais la mettre là derrière parce que je suis perturbée de que ce ne soit pas les mêmes tailles. Et pour les autres que je vais tester avec Maryse, on verra plus tard. Enfin, celles que Maryse m'a envoyées, on verra plus tard si je les garde ou pas. Pour l'instant, on est déjà pas mal. J'ai quand même enlevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 flawless. Donc, c'est quasi à moitié de ma collection. Puisque 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça va, il me reste encore à faire. Et la Beauty Bay et la Sample Beauty. Donc, ouais. On verra après, plus les deux petites Charlotte Tilbury. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, moi, je trouve. Voilà. Bon, maintenant, je vais aller me boire un petit café. En attendant Georges, vous ne me voyez pas. En attendant Georges, et puis j'irai à la sieste et après, je ferai ma colo. Donc, voilà, on se fait toujours. Si, si, c'est bien moi. J'ai rajeuni. Ah, voilà. Donc, il est 8h18. Donc, hier, j'ai fait ma colo. Voilà. J'ai tout simplement mis du noir en racine, comme je fais d'habitude, et le Crazy Color Blue Jade sur les longueurs. Donc, forcément, là, vous voyez absolument rien, mais ça fait des petits reflets un peu bleus suivant certains endroits où je me trouve, tout simplement. Donc, attendez, je vais mettre une page blanche. Je suis en train de regarder sur vos conseils sur Instagram The Haunting of Hill House sur Netflix. Donc, c'est une série d'horreur que vous m'avez beaucoup conseillé quand je vous ai demandé des films d'horreur à regarder. Il y a 10 épisodes par saison et apparemment, il y a 2 ou 3 saisons. Il faut que je vérifie. Mais là, je vais mettre une page blanche pour que vous me voyez un peu mieux. Là, je vais me préparer tout simplement pour aller faire une vidéo. Il faut que je tourne tous les jours, tous les jours, tous les jours parce que avec la série d'Halloween qui arrive... Et comme je vous fais une vidéo par jour, ben j'ai pas beaucoup de temps, en fait. Ce qui m'embête un peu plus, c'est la vidéo des liners. J'ai un peu peur de pas avoir le temps de la faire. Donc, j'essaye de prendre un max d'avance. Je tourne les swatches de make-up tous les jours 1. Et comme ça, je les programme. Et quand je me trompe pas, vous les avez qu'une fois par jour et pas deux fois, n'est-ce pas? Et comme ça, au moins, ils sont déjà faits. Et je pourrai après attaquer... la vidéo des liners Room 2. Voilà, que j'ai d'ailleurs demandé à Georges de choisir. Parce que comme j'ai eu beaucoup, beaucoup de dessins, du coup, je lui ai demandé de faire le choix à lui des liners qu'il voulait que je fasse dans la prochaine vidéo. Comme ça, c'est une main innocente qui fait le tirage au sort. Pas si innocente que ça, mais bon. C'est la seule que j'avais sous la main, hein, la plus innocente que j'avais sous la main. Donc, voilà. Sinon, j'attends... j'ai reçu hier ou avant-hier, le 5. On est combien aujourd'hui? On est combien aujourd'hui? On est le 7. Donc, avant-hier, un mail Mondial Relais pour me dire qu'il y avait un colis qui était parti pour moi, de Boncel. Donc, j'ai cru que c'était Nymph ou Manon, puisque c'est leur point relais. Mais elles m'ont dit que non. Donc, je ne sais pas du tout qui c'est. Ou alors, soit il y en a une des deux qui ment. Très bien d'ailleurs, mais je sais pas, donc j'attends de voir si je vais vraiment recevoir. En toute logique, si c'est un vrai colis, je devrais le recevoir aujourd'hui. Je vois pas pourquoi ça serait une arnaque, puisque il y a vraiment le suivi derrière qui évolue. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de
de payer ici ou cliquer ici. Je sais pas. On verra bien. Et j'attends ma commande Beauty Bay et Odden Ice qui n'arrive pas. Beauty Bay, j'aurais espéré l'avoir aujourd'hui. J'ai vu que Solène l'a eu hier, elle. Donc, en toute logique, j'ai commandé à la sortie de la palette, quoi. Je comprends pas. Normalement, dans les dates où je suis livrée d'habitude chez Beauty Bay, je devrais l'avoir aujourd'hui. Donc, on va voir. Si jamais c'est le cas, j'ai essayé de vous la filmer rapidement pour ce soir. Sinon, ça sera pour samedi, si je l'ai trop tard, puisque demain, il y a... Demain pour vous, donc, enfin demain pour moi, donc hier pour vous, la collection Validator. Ou alors je la décale à samedi, je sais pas encore comment je vais faire. On verra bien quand est-ce que je reçois la palette. Et voilà, par contre j'ai très hâte de la voir quand même. Je surveille parce que mon chien est dehors, je crois, ou il est rentré. Je sais plus. Et voilà, donc là je vais déjà aller en tourner une, et au pire des cas, si je la reçois, je me démaquille pour faire l'autre, quoi. Chose que j'aime pas faire en règle générale, mais comme là il faut que je prenne de l'avance, et ben je vais le faire. Pareil pour les liners, je pense que je vais essayer d'en tourner 2-3 sur une journée pour pas perdre d'avance. Parce qu'après, il faut que j'attaque quand même les make-up d'Halloween. Il faut que je fasse mon fond d'Halloween d'ailleurs. Et voilà. Sinon, j'avais rien de spécial à vous dire aujourd'hui. J'ai fait quelques ventes Vinted hier. Pas mal de ventes Vinted d'ailleurs. Donc merci à toutes les personnes qui passent sur Vinted. Ça m'aide. Je mets de côté pour. Je vais, quand j'aurai les sous, mettre de côté pour mon meuble. Puisque j'ai vu qu'il y avait du stock qui commençait à revenir sur Ikea. Pas encore dans la taille que je veux. Puisque moi j'aimerais bien acheter le 1 mètre. Mais le 75 cm, apparemment, ils ont déjà commencé à rentrer du stock. Donc ça devient bon, j'ai envie de dire. D'ici à ce que je mette de côté que j'ai les virements Vinted et ma monétisation et mon salaire et tout ça, ben, j'espère qu'ils seront en stock comme ça. Limite, je peux aller le chercher fin du mois. Ça serait bien, d'ailleurs. Et voilà, mais pour ça, de toute façon, quand j'aurai été le chercher, vous verrez ça en vlog. Je surveille mon chien encore et toujours, comme d'hab. Sinon, voilà, là, j'en suis où on est donc le 7. J'ai la vidéo d'aujourd'hui et de demain. Je suis en train de tourner le vlog, donc ça, c'est pour dimanche. Celle de samedi, ça sera soit la Beauty Bay, ou je la mettrai vendredi, ou je mettrai une autre que j'ai tournée avant, si je ne l'ai pas reçue. Et voilà, la semaine prochaine, bah, c'est tout des swatchs et le make-up. Il y a un live samedi qui vient pour vous. Normalement, hein, si j'ai pas de choses prévues entre temps qui viennent s'ajouter, ça sera tout des swatches de make-up sauf le 13. Normalement, si j'ai bien reçu ma dernière commande, où je vais vous filmer le haul de tout ce que j'ai commandé dernièrement, qui sont, comme je vous le rappelle, des produits uniquement pour avoir les frais de port gratuits que j'ai commandé quand j'ai fait le swap et les concours de Noël. Et le 15, bah, on crash testera justement tout ça, donc le vendredi. On crash testera tout ça ensemble en vidéo, plus quelques produits que m'a envoyé Maryse dans le dernier vlog. Voilà, comme ça vous avez déjà le planning. Puis dimanche, le weekly vlog comme d'habitude. La semaine d'après, pareil, swatch and make-up. Hein, sinon, vous avez le mercredi la vidéo sur les liners. Donc mes abonnés dessinent mon liner. J'hésite entre intervertir le vendredi et le samedi. Puisque je vais vous faire, suivant ce que vous allez me dire demain, pour moi, sur ma collection d'highlighter, si vous allez me dire que vous voulez la collection de teint et mes produits sourcils, pour voir mon backup exactement et tout ça, voir tout ce que j'ai en stock pour le teint, donc base, poudre, spray fixateur, anti-cerne et tout ça. Et une abonnée choisit mon make-up numéro 15, puisque j'ai un thème, bon allez, je vous le balance. En fait, j'ai eu deux fois à peu près le même thème. J'ai eu Reine de la Nature, je crois, et un thème forêt. Donc, je me suis dit, je vais cumuler, je vais faire la Reine de la Forêt, Reine de la Nature, un truc comme ça. C'est à peu près le même, la même chose, en fait, sur les deux fiches que vous m'avez fait. Donc, deux personnes différentes qui m'ont fait à peu près la même fiche. Donc, je me suis dit, je vais cumuler les deux. Le mettre à ma sauce et comme ça, ça rentre dans les vidéos à peu près Halloween, quoi. Du coup, ça sera un peu plus artistique. Et faire un peu genre elfe, reine de la forêt, enfin, vous voyez, un peu un genre comme ça.
Donc j'hésite, comme ça, à la limite, bon, il y aurait juste le vlog qui viendrait se mettre avant, le dimanche, mais ça ferait. Je peux la filmer avec le fond Halloween aussi, quoi, vous voyez? Je sais pas, non, je vais peut-être pas la filmer avec le fond Halloween, ça fait pas très Halloween, même si ça peut rentrer totalement dans le thème, mais bon, c'est pas dark, quoi, c'est ça que je veux dire. Le reste, c'est quand même assez dark, je pense. On verra bien, je sais pas, il faut que je regarde. Je réfléchis, je réflecte encore et toujours. Je verrai comment j'avance aussi dans mes tournages de vidéos. Voilà, donc là je vais faire mon teint en continuant un épisode de Notting Hill, là, je sais pas quoi là. C'est mou du genou quoi. C'est bien, l'histoire est bien, hein, mais c'est pas vraiment de l'horreur. Pour moi, c'est plus du suspense, un peu thriller, avec quelques petits bons de temps en temps, mais c'est. Oui, c'est une histoire de fantôme, mais. Je trouve qu'on a du mal à rentrer dedans. Enfin, moi, personnellement, j'ai du mal à rentrer dedans. Voilà. Je trouve que les personnages sont pas hyper attachants. Il y en a trop, on ne sait plus de qui ça parle. C'est toute une fratrie, on ne sait plus lequel est lequel. Je sais pas, je suis pas convaincue. Le chien va rentrer. Donc j'attends de voir la fin de l'histoire pour voir si l'histoire est vraiment bien. Pour l'instant, l'histoire est jolie, hein. C'est pas ça que je veux dire, mais. Pour moi, c'est pas de l'horreur, quoi. C'est plus du suspense. Et voilà, ouais, j'attends de voir la fin. Par contre, j'ai regardé Aftermath sur Netflix aussi. Trop prévisible ce film. Beaucoup trop prévisible. Autant j'avais tort, il y a Ashley Green dedans. J'ai bien aimé. L'histoire, j'ai bien aimé aussi, mais c'était tellement prévisible. J'avais calé au bout d'une demi-heure de film, j'avais calé la fin, la chute de l'histoire. Donc, c'était un peu dommage. Bref, bon, je vais arrêter de blablater, ça sert à rien ce que je vous raconte là. J'ai rien de spécial à vous dire aujourd'hui, donc je vais pas parler pour ne rien dire. Et voilà. Donc bah écoutez, il va rien se passer aujourd'hui, sauf si je reçois le colis Mondial Relais. J'irai le chercher tout à l'heure avec Chéri et déposer les ventes Vinted que j'ai fait hier. Parce que j'attends de voir dans quel point relais il va arriver, puisque je ne sais pas qui c'est qui me l'envoie, personne ne m'a rien dit, donc on va voir. Je soupçonnais Vie, mais elle n'a pas répondu à ma story en disant que c'était elle, donc c'est bizarre. Surtout qu'elle m'a déjà envoyé un colis, elle l'avait envoyé à la maison. Donc, je sais pas, on verra bien quand je l'aurai reçu. Et au pire, de toute façon, je vous montrerai demain ce que c'était. Parce que au départ, je pensais que c'était un retour Vinted, parce que c'est comme ça que ça se passe quand la personne ne va pas chercher le colis. Comment? Au point relais, hein, au bout d'un certain temps, le colis repart, vous êtes payé et le colis repart vers chez vous, mais c'est pas le même nom, puisque là c'est mon nom complet, alors que sur Vinted j'ai juste mes initiales pour pas avoir mon nom complet, quoi. Donc je ne sais pas. On verra bien, écoutez. Après, ma curiosité n'aime pas du tout ça, hein. Je suis pas le genre de fille qui aime les surprises, moi, hein. Moi j'aime savoir les choses, donc voilà. Bref, bon, allez, du coup, nous on switch toujours. Alors, il est 7h53. Je pensais vous prendre plus tôt parce que je suis réveillée depuis 5h30 ce matin. Hein. Oui, merci le chien qui a juste voulu sortir de la chambre pour se coucher dans le couloir. On ne lui dira jamais assez merci. Donc là, je me suis dit, j'étais prise dans mon montage à fond. J'ai Amy qui vient de m'envoyer un message qui m'a rappelé qu'elle allait m'appeler, qu'on était vendredi matin. Donc vous allez entendre le poêle s'allumer. J'ai trop froid, donc il faut que j'allume. Voilà, je pensais l'allumer qu'après avoir ouvert cette journée de vlog, mais j'ai trop froid. Je suis gélifiée. Je bave. Donc du coup, oh là 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 là, ça commence bien. Mes suivis n'ont toujours pas bougé, donc je ne sais pas si j'aurai appelé du Tibet aujourd'hui. Je vais attendre encore un peu. Je pense que ça ne sera pas avant lundi, du coup. Donc, vous l'aurez quand j'aurai reçu après. De toute façon, je ne peux pas vous la mettre avant. Hier, j'ai été chercher mon colis au Mondial Relais. Et c'était Manon! Sacrée menteuse, celle-là, je ne pensais pas qu'elle était capable de mentir comme ça. Donc, voilà. En fait, je vous explique l'histoire. Elle m'a envoyé un petit cadeau surprise. Alors, c'est pas grand-chose, hein, mais.
Mon chat vient de se casser la gueule du meuble. Ça m'a beaucoup touchée. En fait, elle avait fait un concours pour les 5 ans de sa chaîne. Donc, je vous remets sa chaîne en barre d'infos. Elle est enfin à 1000. Merci les gens, mais n'hésitez pas à continuer à vous abonner. Le concours du calendrier, je crois qu'il est toujours en cours. Et elle va faire un concours pour les 1000, de toute façon. Donc, voilà. Allez, je vous mets sa chaîne en barre d'infos, de toute façon. Donc, elle avait fait un concours pour les 5 ans de sa chaîne. Où j'avais participé. Je ne participe pas, en principe, au concours des compines. Je sais vraiment pas parler aujourd'hui. Mais il y avait un lot de pinceaux essence qui sont toujours en édition limitée, hein, les coffrets et tout ça. Donc voilà, et c'est grâce à elle que j'ai découvert, enfin redécouvert les pinceaux essence. Je les aime beaucoup. Et je me suis dit, je vais jouer comme ça, la participation et tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais gagné. J'ai été tirée au sort. Et là, je lui ai dit, j'écoute. Moi, j'ai participé que pour les pinceaux. Il y a d'autres produits que j'avais déjà. Si je préfère que tu refasses un tirage pour faire gagner une vraie abonnée, entre guillemets, je suis une de ces abonnées aussi, mais vous voyez, pas qu'on aille dire après qu'elle a fait exprès de me faire gagner ou des choses comme ça. Je lui ai dit, écoute, je préfère que tu refasses gagner quelqu'un d'autre qui a plus besoin que moi des produits et compagnie. Moi, je sais les acheter de toute façon. Donc ça l'a beaucoup touché que je fasse ça. Et du coup, comme moi, j'avais participé que pour les pinceaux, elle m'a envoyé le coffret de pinceaux. Donc vous allez voir, ça reflète. Hein. Donc c'était la collection Glowins Gold. Et dedans, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pinceaux. 11 ? Bizarre, d'habitude c'est 12. Ils sont vegan, hein, voilà, tout simplement. Et ils ont l'air pas mal. Donc là, je vais discuter avec Amy. Normalement, je fais mon teint avec elle le vendredi matin. Mais là, exceptionnellement, je ne le ferai pas avec elle, je le ferai avec vous. Comme ça, on va tester au moins les produits teint, les pinceaux teint déjà. Donc, je vais vous les montrer. Donc Manon, merci mille fois. Ça me touche énormément. Tu n'étais absolument pas obligée de le faire. Moi, j'avais participé pour le fun. En même temps, je sais au fond de moi que j'ai enfin gagné un concours. Voilà, j'ai été tirée au sort pour un concours. Ça m'a suffi. Et voilà. Donc, vous avez d'abord un pinceau pour le fond de teint. Donc, moi, je n'utilise pas de pinceau pour le fond de teint. Mais je me suis dit, il peut être pas mal pour le blush crème. Donc, on testera ça pour le blush crème. Donc, ça, c'est ce qu'on va tester ensemble après. Alors, comme d'habitude, ils mettent toujours un goupillon et un pinceau biseauté pour les sourcils ou pour l'eyeliner. Les goupillons, moi, je les utilise. Ça, j'utilise un peu moins, sauf pour faire des liners graphiques et tout ça. Mais voilà, celui-ci, c'est pas le plus indispensable. Mais ils mettent tout le temps les mêmes pinceaux. Hein. Faut pas se voiler la face non plus. Hein, mais j'aime beaucoup les pinceaux essence. Et comme elle n'arrête pas de le dire, question qualité-prix, c'est vraiment les meilleurs pinceaux qui existent. Alors, il y a un pinceau, ils appellent ça pinceau poudre. Alors oui, hein, vous pouvez très bien poudrer. Mais moi, j'ai utilisé pour le bronzer. Puisque c'est totalement le genre de pinceau que moi j'adore pour le bronzer, un peu en forme d'œuf comme ça, pour faire un truc bien diffus, puisque moi j'ai pas besoin de marquer énormément mon contouring, vu que j'ai déjà les joues creusées. Pour le contouring, eux, ils ont mis celui-ci, donc il peut très bien faire l'affaire si vous voulez vraiment marquer vos zones. Moi je vais essayer pour le contouring du nez et de ma lèvre inférieure, donc ça on testera également ensemble. Il y a le classique pinceau biseauté pour le blush. Voilà. Avant, je n'utilisais pas de pinceau biseauté. Et c'est depuis que Manon m'a offert des kits essence et catrice que j'utilise plus que ceux-là, en fait, parce que j'en ai toute une chier. Et il y a un pinceau highlighter. Donc, j'adore leur pinceau highlighter. Moi, celui que je préfère... Hop là. Attendez, je suis devant vous, j'arrive. C'est celui-là de la collection... c'est de chez Catrice, la collection Vilain. C'est celui que j'utilise tout le temps. Mais vous voyez qu'ils sont très... C'est Cicatrice, hein, mais comme c'est la même firme, hein, c'est Cosnova, un truc comme ça. C'est la même firme, hein, c'est Catrice et Essence, c'est la même marque, hein, en gros. Et voilà. Et ensuite, il reste 4 pinceaux pour les yeux. Donc la base, le pinceau plat, le petit pinceau crayon, le pinceau biseauté qu'ils mettent tout le temps aussi, et l'estompeur qu'ils mettent tout le temps aussi. Donc ça, je vais les monter, je vais les tester. Par contre, celui-ci, je suis en train de voir, il doit être pas mal pour faire un cut crease. Parce qu'il est bien fin, bien arrondi. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Comme j'ai que le Sananas, moi, qui c'est le même, mais en un peu plus long, celui de chez Sananas, enfin de Sephora slash Sananas, à mon avis, on peut faire un cut crease avec celui-ci tellement il est précis. Donc à tester aussi pour le cut crease. Donc voilà, celui-là, je les testerai en allant faire ma vidéo tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc,
Je te remercie, ma petite bichette, c'est adorable. Et la carte, je vous en parle même pas. Regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique, la carte. Donc, voilà, elle m'a noté clairement que voici un petit cadeau de consolation suite à mon concours 5 ans sur YouTube. J'ai apprécié ton geste, mais ça me tenait à cœur de te les offrir. Voilà. Donc, je vais la mettre dans mon fond, tellement elle est jolie. Voilà. Ben, moi, je vais attendre l'appel d'Amy maintenant. Je pense que je vais continuer un peu mon montage en attendant qu'elle m'appelle, mettre charger mon téléphone, mettre charger la batterie de mon appareil pour aller filmer après. Et je vous reprends pour faire le teint. Comme ça, on teste au moins les pinceaux teint ensemble. Et les pinceaux aux yeux, ben, vous verrez dans la vidéo quand je les utiliserai. Ben, après, il n'y en a que 4. Donc, voilà, voilà, voilà. Donc, merci. Je suis très touchée. Voilà, c'était absolument pas nécessaire. J'ai pas refusé le lot pour avoir au fond. Ah, monsieur Zozo qui se lève. De super bonne humeur. Oh, il n'a pas dormi encore, lui. Si. Moi aussi, je travaille. Tu travailles. Ah, bah oui, mince, j'avais oublié. On est déjà vendredi, c'est vrai. Donc, voilà. Moi, je vous laisse. Je vous reprends après. On fait le teint ensemble et je clôturerai le vlog ici. De toute façon, je vous ai déjà donné le planning. Et voilà. Ah oui, ma mère m'a appelé hier. Elle a trouvé la veste qui va avec la jupe que je vous ai montrée début du vlog, là. Donc, en fait, c'est un tailleur, le bazar. Et elle est tombée sur la femme qui vendait dans ce magasin de brocante, là. En fait, c'est une boutique qui a fermé et qui vend le stock qu'elle avait là. Donc, les produits sont neufs. Et elle disait que le tailleur en tout valait 180 euros. Donc ma mère m'a offert la jupe à 5 euros et la veste à 9 euros. Quoi. Elle l'a acheté 9 euros, qu'elle m'offre aussi. Je ne l'ai pas, hein, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. C'est con parce que j'aurais bien mis le tailleur complet demain pour l'anniversaire de mon beau-père. Mais bon, du coup, je mettrai autre chose. Voilà, tout simplement. Voilà, bref. Bon, allez, je vous reprends après. Je vais aller mettre charger ma batterie. Oh, je viens de me choper une canne de tout. Attendez, je me rapproche un peu. Il est 10h37. Je vous reprends super tard. Voilà, j'ai juste mis mon fond de teint, plaqué mes sourcils, mon anti-cerne et j'ai poudré mon anti-cerne pour être sûr que ça ne file pas. J'attends le facteur, mais je ne pense pas avoir mes colis aujourd'hui. Donc, je vais tourner une autre vidéo. Et par contre, j'ai mes lunettes qui sont enlevées. Donc, quand Chéri rentre, on va aller chercher mes lunettes. Donc là, vous voyez un petit peu mon miroir, mais tant pis. Donc, je vais d'abord tester celui-ci, qui est le pinceau normalement bleu pour le fond de teint. Moi, je vais l'utiliser pour mettre le fond de teint crème Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Je le mets normalement à l'éponge. Enfin, d'abord, je l'applique au doigt, puis après, je le mets à l'éponge. Là, on va tester avec le pinceau. Et je pense que ça peut être sympa. Ah, mais ça applique beaucoup plus de matière, mais ça le diffuse bien. Donc, je pense qu'il va me servir à ça, celui-là. J'en mets tout de suite un peu sur le nez. Vous me voyez pas bien, je ne suis pas bien centrée. Hein. Donc là, ça va être fort marqué, mais une fois que je vais avoir les poudres, fond de teint poudre par-dessus, ça va moins se voir. Donc, j'en rajoute toujours du poudre après-dessus, de toute façon. Mais, oh, il fonctionne bien pour ça. Il diffuse super bien le produit. Bah, écoutez, il va me servir à ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, j'ai quand même redonné un coup d'éponge hein, pour bien blender les bords. Enlever le surplus pour pas que ça fasse des taches. Surtout qu'ici, j'en ai mis un peu beaucoup de ce côté-ci. Voilà. Donc, je poudre ma face et je vous reprends pour le bronzer. Voilà. Donc, j'ai poudré mon teint avec mes poudres habituelles et j'ai remis au pinceau mon fond de teint poudre L'Oréal. Hein, voilà, tout simplement. Donc, on va passer au bronzer. Alors, attendez, je rapproche les pinceaux parce que je vois rien de ce que je fais. Et je vais prendre donc celui-ci en forme d'œuf. Mon petit bronzer qui se trouve dans la palette ici. Voilà. Et on est parti. Oh, qu'est-ce qu'ils sont doux, ces pinceaux. Oh là là là.
Donc moi, c'est totalement le genre de forme que j'adore pour mettre mon bronzer, puisque c'est juste pour réchauffer le teint, pas vraiment pour marquer mes creux, surtout aux joues, puisqu'ils sont déjà très creusés comme ça. Donc voilà, il fait son job. Hein. De toute façon, les pinceaux essence, on est rarement déçus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Si vous cherchez des bons pinceaux vraiment pas chers, c'est le Must-Have. Ceux-là, il est Boozy Shop. De toute façon, c'est les pinceaux que j'utilise le plus. Après, quand je parle d'essence, c'est essence Icatrice. Hein. Pour moi, c'est la même chose. Ben voilà, ben écoutez, il fait son job. Hein. J'ai le nez qui coule, je dois éternuer. Oh, it's wet. Donc, je vais prendre celui-ci pour faire mon petit contouring de nez. Donc là, je vais essayer de ne pas prendre trop de produit, puisque je le fais très léger aussi. Donc, du coup, ça va bien blender sur les côtés en même temps. Moi, je le fais avec un beaucoup plus étroit. Je fais avec pour les yeux, normalement. Et comme ça, je blende après. Et là, ça le fait aussi. Et ici. Ben voilà. Donc je redonne quand même toujours un petit coup de pinceau poudre partout. Hein. Je crois que vous connaissez mon obsession du blendage. Pour bien fondre les matières entre elles. On va passer au blush. Donc je prends mon petit baby doll de chez Essence. C'est celui que j'essaie de finir avec le pinceau blush. Ben voilà, hein, rien à dire. Hein. Après, je préfère le Catrice de la collection Vilain aussi, parce qu'il est un peu plus dense et un peu plus large. Mais ils font le même job. Hein. C'est juste une question de sensation sur la peau. Parce que vous voyez qu'il applique très bien le blush aussi. Hein. Rien à dire. Alors, je vais brosser un petit coup mes sourcils. Oh, j'ai les cheveux qui se collent sur ma face. Voilà, c'est un goupillon classique. Hein. J'ai rien de trop à dire là-dessus. Même si je suis accro au goupillon. Mais moi, à force de les utiliser, à la longue, ils commencent à tourner. Alors, c'est un peu chiant parce que vous appuyez dessus et du coup, ça tourne en même temps. Donc chérie me remet un point de colle de super glue tout simplement pour plus qu'il bouge. Voilà, donc je fais mes sourcils. Ah bah écoutez, je vais faire mes sourcils et je vais mettre l'highlighter avec vous avant de fixer mon teint. D'habitude, c'est pas ce que je fais, je mets mon highlighter après. Mais comme ça, je peux clôturer le vlog. Je crois qu'il est déjà bien assez long comme ça. J'ai hâte d'aller chercher mes lunettes. Vous les verrez que la semaine prochaine. Ou dans les vidéos, probablement. En cours de semaine, quoi. Mais bon, vous les verrez pas dans ce vlog-ci. Voilà, et on va passer à l'highlighter. Oh, j'ai pas redescendu mon XX. Bah, du coup, je vais mettre ce qui est dans la palette ici. J'ai oublié mon XX en haut. Avec le petit pinceau highlighter. Et voilà. Ils sont doux. J'adore la forme des pinceaux highlighter essence. Bon, après, c'est une forme basique, hein. On est d'accord. Mais... De toute façon... Je crois que vous avez compris que j'aimais beaucoup les pinceaux essence. Et ici. Voilà. Ben voilà, j'ai fini mon teint. Enfin, presque fini mon teint. Là, je vais fixer, nettoyer mes paupières et mes lèvres, mettre mon plumper et je vais aller filmer, mettre ma base à paupières et aller filmer. Et voilà, donc ben moi, je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. Manon, encore merci. Je parle du nez.
Le geste était vraiment adorable, ça me touche énormément. Et voilà, donc si vous voulez foncer, je ne sais pas s'ils sont encore dispo, elle les a certainement commandés sur Boozy Shop, mais voilà, dès que vous voyez un kit essence, si vous êtes accro aux pinceaux et que vous cherchez des bons pinceaux pas chers, achetez les kits essence ou Catrice, ne cherchez même pas ailleurs, voilà. Et bah c'est tout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air pour me faire plaisir, de vous abonner pour me faire encore plus plaisir. On se retrouve de toute façon demain et tous les jours de la semaine encore une fois. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous.